Laïba Nemba. D'accord. Je suis directeur préfectoral de micro-réalisation, DMR, et j'assure l'intérim du secteur de la santé des affaires en matière d'hôpital. Aujourd'hui, nous sommes ici à la place des martyrs. C'est justement lié au 2 octobre, la célébration de l'an 65 de l'indépendance de la Guinée. Oui. Parlez-nous un peu, comment ça s'est passé, la cérémonie? Bon, je puis dire que la cérémonie s'est passée dans les règles de l'art. Bien qu'on a reçu on était en deuil, mais quand même, le défilé s'est passé, les visites se sont passées très bien. Les corporations ont succédé une à une devant la tribune. Donc j'espère que la cérémonie s'est très bien passée. Quand même. Quel a été le message? Quel message a été lancé par les autorités? Le message le plus fort, c'est toujours la paix. Parce qu'on dit que rien ne vaut la paix. Quand tu entends le développement, c'est la paix d'abord. On ne peut rien faire sans la paix. Rien que la paix, on a ça le message le plus fort. Et l'acceptation du projet, le bon voisinage. On peut dire que la fête a été un peu marquée par ce décès qui a un peu dénaturé. Ce que je disais à l'entendre, c'est que la fête a été un peu marquée par le décès de notre feu père. Un père qui était tout pour Pita, un père qui aimait jouer toujours au chapeau pompier. Pourquoi? C'est un père de paix et de prospérité. Il a toujours conseillé les jeunes et tout le monde vers la paix de l'acceptation du projet. C'est ça, je veux dire, c'est un père qu'on a perdu. Et pourquoi la fête, on n'a pas pu aller au bout de nos activités. Donc on était obligé, parce que là, l'humain, c'est ça, encore c'est ça. Voilà. Quelles sont les activités qui étaient prévues? Il y avait les activités, après les activités de défilé là, il y avait des prestations artistiques, il y avait beaucoup d'artistes qui sont là, mais on ne pouvait pas un corps est là couché et danser au bout du rouleau. C'est ce qui a un peu empêché. Il y avait beaucoup d'activités, il y avait même un banquet la nuit. Et tout ça là, on ne peut pas faire parce qu'on est encore quelque part en deuil. Merci beaucoup. Merci bien.